السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. الحوار اللي غادي تشوفوا دابا حوار مهم وخطير بزاف. جاكوب كوهين هو واحد المثقف والمفكر والكاتب يهودي مغربي مقيم في فرنسا. في الحوار ديالي معاه تكلمنا على التطبيع، تكلمنا على العلاقات المغربية الجزائرية، تكلمنا كذلك على العلاقات المغربية الفرنسية. الأجوبة ديالو كانت مهمة وخطيرة بزاف. اللي أثر فيها بزاف هو أنني لمست عنده غيرة على المغرب، لأنه كيعتبر المغرب البلاد ديالو والبلاد ديال الأجداد ديالو، وكيبقى فيه الحال ملي كيشوف يعني المغرب ماشي في طريق ديال التطبيع. بالنسبة ليه الكيان الصهيوني هو عبارة عن قرش واللي غادي ياكل المغرب. بلا ما نحرق لكم الحلقه خليكم تشوفوا الحوار، ولكن قبل ما نخليكم تشوفوا الحوار بغيت نبه الى ان الصوت الحمد لله مزيان، ولكن الصوره كانت كتقطع لان التصوير تم عن طريق سكايب. حاولت نسجل بستريم يارد ولكن ما صدقش، فسجلنا الحوار بسكايب. الصوره كتقطع شويه ولكن الصوت مزيان. المره اللي جا غادي نمشي عند باريس ونصور معه تما مباشره، هو استدعاني وقال لي مرحبا بك اجي عندي لباريس، فان شاء الله المره المقبله غادي نمشي عنده مباشره وغادي نصور معه اللقاء. نخليكم تفرجوا الحوار كامل، فرجه ممتعه. السلام عليكم مسيو كوين، بونسوار، ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. بونسوار، ميرسي دو مافوار انفيتي، سي ان بليزير دو ديكوفرير لا شين اي دو سالوير فوز اوديتور. اوك ميكنس، vous êtes écrivain juif marocain, vous êtes militant antisioniste, anciennement traducteur et enseignant à la faculté de droit de Casablanca. Et vous vivez actuellement en France. Je commence rapidement avec la première question concernant Israël. Israël connaît actuellement des grèves sans précédent et une division interne qui ne s'est jamais produite auparavant. Quelle est votre interprétation de ce qui se passe? Avons-nous commencé à vivre le début de la fin d'Israël ou c'est encore trop tôt d'aborder ce sujet? Ah, mais à mon avis, c'est l'air la fin du rêve sioniste. En fait, j'avais toujours dit que Israël était constitué de 5 ou 6 communautés vraiment différentes, opposées les unes aux autres, qui vivaient quasiment à part dans un état d'hostilité larvée. Mais je ne m'attendais pas, je le reconnais, je m'attendais peut-être à ce que ça allait arriver beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire cette opposition des communautés. Puisqu'il y avait un conflit extérieur, une guerre extérieure qui cimentait la société israélienne. Vous savez, j'ai beaucoup de familles en Israël et donc je sais comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Et dans divers milieux, donc religieux, nationalistes, de gauche, etc. Mais ce qui s'est passé avec les dernières élections, c'est que moi j'ai interprété ça de cette façon-là. L'état profond sioniste ou l'état profond sioniste mondial n'a pas apprécié le résultat des élections et donc est le gouvernement qui en a été issu. C'est-à-dire pour la première fois, un gouvernement de droite avec l'extrême droite est entré au gouverne le pays. Et l'état sioniste profond a voulu faire une révolution colorée, c'est-à-dire empêcher ce gouvernement d'agir, le délégitimer aux yeux des populations. Parce que, quelle est la crainte de l'État profond? L'État profond craint par-dessus tout que Israël apparaisse pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un État fascisant, un État conquérant, un État qui ne veut pas faire une paix juste. Jusqu'à présent, Israël avait réussi, grâce évidemment à la complicité des médias et des gouvernements étrangers, notamment européens et américains, à donner cette image, cette illusion d'un pays qui veut la paix. D'ailleurs, il dit toujours « nous ne sommes pas la solution à 2 États ». Et donc, il fait attention de ne pas trop coloniser, même si le nombre des colons depuis les accords d'Oslo est passé de 150 000 à 800 000, mais il le fait au compte-gouttes, en faisant attention, en reculant de temps en temps, etc. Et là, d'un coup, on a un gouvernement qui non seulement réclame l'annexion de la Cisjordanie, réclame l'apartheid vis-à-vis des Arabes israéliens et vis-à-vis des Palestiniens, et réclame aussi un État basé quasiment sur la charia juive. C'est-à-dire de plus en plus de lois basées sur la religion,
par exemple, l'interdiction de transport le Shabbat, l'interdiction de faire entrer du pain dans les hôpitaux pendant la fête de Pâques. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font que cet État se détourne de l'idéal sioniste. Or, c'est un mouvement irréversible. Pourquoi ? Parce que la partie nationaliste religieuse, la partie orthodoxe et la partie nationaliste religieuse représentent à peu près 30 à 35% de la population israélienne. Et elle fait des enfants, comment dire, c'est à peu près entre 8 et 12 enfants par famille. Alors que les autres, ceux qui sont les évolués, les occidentalisés, les laïcs, ceux qui sont LGBT, ceux qui ont des, comment dire, des remords humanistes vis-à-vis des Palestiniens, qui se croient progressistes, eux ne font pas d'enfants quand ils en font un ou deux. Et donc, cette scission est venue beaucoup plus tôt que je ne le pensais, créée par l'État profond sioniste mondial qui pensait, pourquoi je dis l'État profond sioniste mondial, parce qu'il avait réussi à mobiliser toutes les institutions internationales, l'UNESCO, la Banque mondiale, enfin, le FMI, la Réserve fédérale, le Parlement européen, enfin, qu'est-ce qu'ils ont, toutes ces institutions, avec une réforme de la Cour suprême en Israël ? Rien du tout. Mais ça, c'est la force de l'État profond sioniste mondial qui a pensé, effectivement, en utilisant évidemment une bonne partie de la population israélienne qui voulait vivre dans un pays soi-disant libre, démocratique, humaniste, tolérant, etc. etc. Ils veulent toujours vivre dans cette illusion. Or, en fait, ils ont été rattrapés par le réel. Et le réel, c'est quoi ? Le réel, c'est une population palestinienne opprimée, colonisée, humiliée, contrôlée, etc. Et là, l'État profond sioniste avait pensé faire reculer le gouvernement. Il a failli. Mais le gouvernement a très bien résisté. Il y a eu des choses irréparables qui ont été commises. Par exemple, il y a des officiers supérieurs de l'armée qui ont envoyé leur lettre de démission, enfin qui font des réserves. Ce qu'on appelle des réserves, ça veut dire des citoyens qui donnent un mois par an à l'armée. Et ce sont des gens qui occupent des fonctions très importantes, des pilotes d'avion, des colonels, des généraux, etc., des renseignements. Et des milliers d'entre eux ont dit, ils ont été manipulés, si vous voulez, par la propagande. Et c'est vrai que pour un Israélien, enfin, j'ai été souvent là-bas, pour un Israélien laïque, de voir ces religieux pour qui ils pensent que ce sont des parasites qui vivent comme des sangsues qui vivent sur le dos des Israéliens. Voilà. Ça, en fait, il y a presque un antisémitisme. Il y a des actes antisémites, il y a des agressions antisémites qui ont lieu aujourd'hui en Israël. Par exemple, on agresse des religieux dans les bus. Et dans l'autre sens, il y a des chauffeurs de bus, par exemple, qui n'acceptent pas les femmes en petite tenue dans les bus, etc. Il y a vraiment un moment de tension incroyable en Israël. Et à mon avis, les failles qui ont été suscitées par cette crise de la réforme judiciaire, ne seront jamais réparées. Et beaucoup d'Israéliens progressistes pensent déjà à quitter le pays. Donc, en fait, il y a une bipolarisation du pays qui va avoir des conséquences énormes. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle le royaume de Jérusalem et le royaume de Juda. Donc, voilà, c'est vraiment un coup dur porté que je n'avais absolument pas prévu de sitôt, mais dont la réalité est incontestable, c'est le début de la fin du rêve sioniste. D'accord, c'est clair. Puisque vous êtes juif d'origine marocaine et vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe dans la communauté juive partout dans le monde, et en Israël en particulier, pensez-vous que le Maroc a vraiment besoin de la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara ? Autrement dit, quel est l'impact de cette reconnaissance sur l'avenir du dossier du Sahara ? À mon avis, je regrette de le dire, je regrette pour le Maroc,
l'impact est quasi nul. Même à mon avis, il serait presque négatif. Parce que, franchement, dans la communauté internationale actuelle, il y a combien de pays qui occupent illégalement des territoires et qui sont régulièrement condamnés par les instances internationales chaque année? Vous en connaissez beaucoup? Moi, j'en connais un, en tout cas, c'est Israël, qui est régulièrement condamné par l'ONU, par l'Union africaine quand ils se réunissent, etc., parce qu'ils occupent Jérusalem, parce qu'ils occupent le Golan, parce qu'ils occupent la Cisjordanie. Et ils violent le droit international depuis 1949. La première résolution anti-israélienne réclamait en 1949 le retour des réfugiés palestiniens. Et cette résolution, qui est renouvelée chaque année, n'est jamais respectée. Donc, voilà un pays, le seul pays, à ma connaissance en tout cas, qui est condamné depuis 80 ans. Et donc, ça n'apportera rien du tout au Maroc. Ok, c'est un pays qui a reconnu. Il n'y a eu aucun pays n'a suivi, à ma connaissance. Il n'y a pas eu de bouleversement au niveau de la communauté internationale concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Finalement, qu'est-ce qu'il a obtenu de cette normalisation avec le régime sioniste? Même la reconnaissance américaine, ce n'est pas une vraie reconnaissance. C'est un papier, c'est une lettre envoyée par Trump. Voilà. Donc, ce n'est pas le gouvernement américain qui a officiellement reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, en fait, rien n'a changé. Et malheureusement, le Maroc s'est fait beaucoup d'illusions. Vous savez, on accorde beaucoup d'importance au régime sioniste. Israël, effectivement, est un acteur majeur des relations de la communauté internationale, pour sa puissance militaire, pour son génie de l'informatique, les services de renseignement, etc. Sa technologie. Et donc, le Maroc, peut-être, il a pu penser que la reconnaissance d'Israël allait entraîner d'autres reconnaissances. Mais la reconnaissance, l'unique reconnaissance d'Israël, à mon avis, si elle reste isolée, telle qu'on le voit, à mon avis, elle apporterait plus d'éléments négatifs que positifs. Qu'est-ce qui va gagner l'État sioniste de cette normalisation, d'après vous? Ah, énormément. Énormément. L'État sioniste est un État de conquête. De conquête militaire, de conquête d'influence, de conquête technologique, de conquête économique. Vous allez voir comment dire, les requins financiers israéliens, sionistes mondiaux, israéliens et sionistes mondiaux, foncer sur le Maroc. Et ils vont les dépecer. Sur le plan militaire, Israël va installer une usine de drones, elle va avoir une armée quasiment marocaine à sa disposition qu'elle va former, qu'elle va entraîner, avec son armement à lui, à Israël, avec ses techniques, etc. Donc, elle aura mis un pied au Maroc. Et quel pied? Ça veut dire dans cette région du sud, contiguë à l'Algérie, où elle aura carte blanche pour faire ce qu'elle veut, tout un travail de désinformation, de propagande, de harcèlement vis-à-vis du voisin algérien, d'écoute, et même peut-être entraîner le Maroc malgré lui dans une guerre. Donc en fait, pour Israël, c'est tout bénéfice. Les Marocains, ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. C'est incroyable. Mais les sionistes, c'est les pires requins du monde. Les Américains à côté, c'est presque c'est des enfants de cœur. Si on connaît un peu la mentalité sioniste, il n'y a pas pire raciste qu'eux, il n'y a pas pire anti-arabe qu'eux. Je vous assure, enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre comment des élites arabes peuvent croire dans la bonne foi des sionistes. Ils sont viscéralement, enfin, excusez-moi, viscéralement, ils sont dans leur ADN, ils ont la haine de l'arabe, le mépris. J'en sais quelque chose, enfin,
Je suis allé 10 fois là-bas. Enfin, j'ai ma famille là-bas, j'ai des amis, etc. Donc, comment les Marocains peuvent enfin, que les Marocains, le régime, l'élite marocaine, le régime marocain, s'est laissé rouler dans la farine de cette façon-là. Voilà. Comme vous l'avez constaté, le Maroc a récemment a commencé à adopter une politique de diversification des partenaires politiques et se ne limite plus à ses relations avec la France, la Grande-Bretagne par exemple, Israël, la Russie. Le Maroc essaye de s'éloigner de la France. Vous n'êtes pas d'accord peut-être avec cette nouvelle stratégie politique marocaine? Ah non, non, si, si, moi je trouve que le Maroc fait bien, a bien fait d'ailleurs D'accord. de diversifier ses relations, au contraire. Vous savez, la France, il ne faut pas non plus lui faire trop confiance. Hein. Vous savez, regardez la France, comment elle a continué son colonialisme, son impérialisme en Afrique. Enfin, je veux dire, ça fait 60 ans d'indépendance, 60 ans d'exploitation, d'assassinat d'opposants. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un tableau de ce qui arrive. Donc, je veux dire, non, non, la France, c'est enfin, comme tout pays colonialiste qui a une mentalité coloniale, la France a beaucoup profité, a exploité à fond, allant même jusqu'à faire assassiner des opposants, installer des dictatures, manœuvrer pour des coups d'État, etc. Enfin, regardez ce qui s'est passé au Tchad, enfin, au Burkina Faso avec l'assassinat de Sankara. Enfin, donc, le Maroc avait intérêt à prendre ses distances avec la France. Bon. D'ailleurs, le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour s'ouvrir vers des pays africains. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. A voulu s'ouvrir aussi du côté de l'Inde, de la Russie. Donc c'est positif. Cette ouverture de la diplomatie marocaine vers d'autres pays. Cependant, je pense que le Maroc est resté ancré dans le camp occidental. Ça veut dire que, d'ailleurs, la preuve, c'est que, enfin, la preuve, une illustration, c'est que au moment où l'Amérique le lui a demandé, ben, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Donc, c'est probablement une demande américaine pressante, avec pas mal de, peut-être une partie de menaces, une partie de promesses, etc. Enfin, il y a plusieurs éléments dont beaucoup, nous ne le connaîtrons jamais ou beaucoup plus tard. Et donc, le Maroc, malgré tout, reste ancré de l'Europe occidentale et la normalisation avec Israël va l'ancrer encore plus dans le camp occidental. Il ne faut pas oublier quand même que le Maroc a un adversaire redoutable en Afrique, qui est l'Algérie. Quand on voit le poids de l'Algérie au niveau africain, de par sa situation géographique, sa richesse, sa diplomatie et son histoire, c'est quand même un adversaire de taille qui lui bloque pas mal le chemin. Les tentatives que fait le Maroc de s'ouvrir auront un certain succès avec l'Inde, avec la Russie, parce que la Russie aussi aura intérêt, même si elle a un allié privilégié qui est l'Algérie, aura aussi un intérêt à avoir de bonnes relations avec le Maroc. Et donc, mais finalement, je ne crois pas que le Maroc franchira le pas, par exemple, de rejoindre le camp des non-alignés, le camp des BRICS. Ou bien par exemple de refuser d'utiliser d'autres monnaies que le dollar, etc. Enfin, je veux dire vraiment d'adopter une ligne diplomatique 100% indépendante de l'Amérique. Je ne crois pas qu'il arrivera jusque-là. Voilà. Il restera ancré à l'Amérique et donc au camp occidental. Et donc il sera son avenir se joue dans le rapport de force entre le camp occidental qui est perdant en ce moment, qui perd beaucoup de terrain, et le camp des BRICS qui gagne D'accord. beaucoup. Puisque vous avez mentionné la Russie, est-ce que vous Oui. pensez que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur le dossier du Sahara? Oui, dans quel sens? C'est-à-dire que il est évident que la Russie, elle a gagné beaucoup d'influence dans quels États? Tous les États, enfin,
le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée, l'Algérie, etc., qui sont anti-français, anti-occidentaux. Et donc, comme tout à l'heure, j'avais dit que le Maroc se situait dans le coin occidental, il est évident que la victoire de la Russie, enfin, la victoire inéluctable, qui est déjà, que l'on voit se profiler déjà d'ailleurs. Enfin, je veux dire, Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas, enfin, il n'y a même pas à discuter. C'est, on peut discuter de l'ampleur de cette victoire. Voilà. Est-ce que la Russie ira jusqu'à Odessa, etc., etc. Mais il est certain qu'un cinquième de l'Ukraine est déjà perdu pour l'Ukraine, même sur le plan économique. Il y a un média, Bloomberg, qui est quand même un média américain. Il a publié il y a quelques jours. Il a dit que en une année, la Russie s'est enrichie de 600 milliards de dollars. La Russie en guerre à qui on a voulu comment dire, imposer des sanctions, d'accord ? Alors que l'Amérique a perdu plus que 600 milliards. Donc vous voyez déjà, même sur le plan économique, la Russie est en plein boom avec l'alliance de la Chine, etc. Donc les BRICS et leurs alliés sont en pleine euphorie, en pleine expansion. Et donc, comme l'Algérie est un des éléments clés de cet élément-là en Afrique, il est évident, personne ne voudra, et comme il faut lui faire de la peine à l'Algérie, en reconnaissant la marocanité du Sahara, ou bien en favorisant une solution, comment dire, qui serait plus ou moins une porte de sortie honorable pour le Maroc, c'est-à-dire une autonomie pour le Sahara occidental, mais sous la direction marocaine. Voilà. Et donc, l'Algérie ne lâchera jamais le morceau, et ses alliés ne voudront jamais la lâcher. Monsieur Cohen, je vous laisse le soin d'adresser un mot de clôture aux Marocains, qu'ils soient citoyens ou élites. Écoutez, moi, enfin bon, évidemment, j'ai vécu quand même plus de 30 ans au Maroc, c'est bon, et donc ça me fait mal au cœur de voir mon pays, le pays en tout cas de mes parents, de mes origines. Vraiment, c'est faire une politique qui le desservira à long terme. Il n'y a aucun profit à tirer d'une alliance avec le sionisme, vraiment. Le sionisme a toujours été l'ennemi du monde arabe. Le sionisme a été créé, un de ses buts a été de contrecarrer toute évolution du monde arabe vers le progrès, vers le socialisme, vers l'indépendance. Et donc, c'est terrible de se tromper à ce point, de s'illusionner à ce point. Et quand je vois des médias marocains tomber dans le panneau comme ça, enfin moi je suis assez attristé, mais bon, parce que vous savez, la désillusion viendra un jour ou l'autre, hein. Donc voilà, malheureusement, mais bon, nous sommes tous tristes, mais on peut rien faire, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup monsieur Cohen d'avoir participé à cet épisode, et j'espère bien que les téléspectateurs en profiteront. Merci beaucoup et très très bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à tous et puis merci. À la prochaine. Merci beaucoup. انا صراحه كتجيني شي حاجه غريبه ان واحد يهودي ومع ذلك عنده الغيره على المغرب وكيقول بلي ان التطبيع يعني غادي يدمر المغرب وماشي لصالح ديال المغرب. طبعا حنا كنتوقعوا بان الدوله المغربيه يعني ماشي هي اللي كانت راغبه في هذا التطبيع، بل كانت تحت ضغوط امريكيه كيف ما قال السي جاكوب كوين، ولكن مع الاسف كنلاحظوا واحد المبالغه في التسويق لهذا التطبيع. كان ممكن بان السياسي المغربي يكمل في الطريق ديالو مع التطبيع، ولكن بلا ما يقحم المجتمع المغربي في هذه المساله هذه، وبلا ما يروج للتطبيع، لانه يعني مساله قبيحه جدا. وكنظن بان المغاربه يعني على مستوى واحد الوعي وفاهمين بلي ان هذا الكيان الصهيوني ما يمكنش يكون باغي لنا الخير، ومستحيل انه يكون بيناتنا وبينه شي علاقات طيبه، ومستحيل انه ينفعنا. والدول اللي طبعت مع الكيان الغاصب راه احنا شفنا الحاله ديالها، مصر راه مش حال هذه، وما طفروها شي وما قضاو حتى شي حاجه. كذلك بغي نقول للمسؤولين في المغرب بلي انه مزيان انه يكون عندنا آراء مختلفة في المغرب، واللي كنشوفوا الآن مع الأسف في الإعلام المغربي هو أنه كيحاولوا أنه يجيبوا رأي واحد فقط، بل أحيانا كنسمعوا تلميح بأن المغربي
اللي ماشي مع التطبيع فهو خائن البلد ديالو. فهاد الظاهرة هذه ماشي ظاهرة صحية، بل بالعكس خصنا يكون عندنا في الدولة ديالنا الرأي والرأي الآخر، ودائما في احترام القانون واحترام السيادة والوحدة المغربية. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الحوار، اختلفنا ولا اتفقنا مع السي كوهين، هذا واحد الرأي اللي هو معتبر. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.